Dans cette vidéo, c'est Julie qui va nous montrer comment réaliser le nettoyage complet d'un bureau. Avant de débuter la prestation, pensez à vous laver les mains, mettre vos gants. Portez un vêtement d'éco-propreté propre et lire les consignes d'utilisation des produits avant de les utiliser. Avant d'entrer dans le bureau, placez votre chariot le long du mur. Frappez à la porte avant d'entrer. Si le bureau est occupé, dites bonjour et demandez à ses occupants si vous pouvez réaliser le nettoyage. Si l'occupant refuse ou est au téléphone, revenez plus tard. Pour commencer, et si cela est possible, ouvrez la fenêtre pour aérer la pièce. Ensuite, videz les poubelles en respectant les consignes de tri. Changez le sac poubelle s'il est souillé ou troué. Nettoyez la poubelle avec la microfibre bleue et du produit détergent neutre. Passez ensuite à l'essuyage humide des surfaces. Comme Julie, effectuez l'essuyage de haut en bas. Cela évite que la poussière ne se dépose sur des surfaces propres. Pour les surfaces en hauteur ou les objets fragiles, utilisez le plumeau. Sinon, utilisez la microfibre bleue et du produit détergent. Armoire, rebord de fenêtre, écran, lampe, bureau, table, caisson bas, nettoyez tous les endroits où la poussière peut se poser. Vous ne devez pas déplacer les affaires des usagers ou lire les documents présents dans la pièce. Pour réaliser la désinfection des points de contact, utilisez la microfibre jaune et du produit désinfectant. Téléphone, interrupteur, poignée, télécommande. Ces objets nécessitent une attention toute particulière. Avant l'aspiration, pensez à fermer la fenêtre. Commencez par ramasser les gros déchets présents au sol. Passez d'abord l'aspirateur derrière la porte. Effectuez le détourage de la pièce, puis terminez par le centre. Pour rappel, il ne faut pas passer l'aspirateur près de quelqu'un au téléphone. En repartant, n'oubliez pas de fermer la porte et d'éteindre la lumière si le bureau est vide.